Mes amis, bandi yo vin pi méchant. Chaque jour bon Dieu mette chef gang vite l'homme touye, on ti grand moun, femme qui gen 87 l'année nan torsel et puis kidnappé Maril qui gen 89 l'année. Tout de moun sa yo c'est américain. M'bral bo comment chef gang lan arrivé tué yo. M'bral bo tout détail et vous m'lage monsieur mandé pour libérer grand moun garçon 89 l'année a, c'est pas parler. On l'autre bord, barbecue by peuple là, yon ultimatum ou ben te gen rein doublé. Yaya de ça pas capable bloquer Saint-Tio. M'bral bon tout détail l'on fin tande. Ultimatum ça que mouche barbecue by peuple là. Yon l'autre bord, gon zone là cap copier Matisse en tout puis même j'ai avec Canard. Zone ça c'est des brosses jusqu'à Jivena. Ou tande? Des brosses jusqu'à Jivena. Bandi sa yo attaque la police. Yo attaque moun ka passe sou la bloke ou la rançonne moun. Pral bo koze parce que jounen jodi a peyi d'Ayiti symbolize tête chargée. C'est ça m presque dit qui légende nous. En tout cas, baga la komplike oui, m souhaite que nous tout en forme. Étant donné, chef gang vite l'homme te annonce Ariel Henry, la met pied la terre, si toutefois li kite le fâché, ou pas de penser si c'est dans façon ça la met pied la terre, qui te m'explique ou. Gen yon image qui très cruel, qui vient joindre moi là. Côté un grand monde femme qui gen 87 l'année qui nol pas, yo pas kon nol. 87 l'année qu'elle gagne, bandi vite l'homme innocent criblé grand monde ça en bas balle. Lè yo fin criblé en bas cartouche fait kol fait pas soi. Yo trouvé ça pour kosifi. Yo mette di fè sou grand monde femme là. Yal tuel an dan la kayli nan ton sel. Après ça, yo di, m'pa ka kite Maria non? Maria genye 89 l'année. Li rele Jean Lucien Franklin. De moun sa yo se américain ke yo ye. Yo sorti aux États-Unis d'Amérique. Yo vin fond pas son, m'ka mese m'ka rele retraite. Haïti gen kote pou moun pran retraite Jean Balaï la. Mon cher, moun yo kite Haïti longtemps. Yo te vle rentre malgré tout bagay. Mais nan rentre, mais revè a. Chef gang vite l'homme a comment li informe ke gen Américain nan brayan. Li al checke moun yo, li touye madame monsieur a après ça grand moun 89 l'ani, grand moun garçon an, li kidnappé. Ou konn combien l'argent? Vite l'homme mande avec parent grand moun nan pour capable libérer 300 000 $ US sans mettre. Je ne capable dire sans retirer sans mettre 300 000 $ qu'elle mande famille après elle fin touye grand moun nan et puis met 10 fè sou li. Oh l'Éternel, la vraiment compliqué et dans les gen pile moun la k'ap mande tant pri souple et pour vite l'homme tande la raison pour libérer sorti ça américain ça pour le retourner États-Unis d'Amérique pour l'al prendre soin parce que m'tande li souffre sik, li fait tension, li gen cholestérol, li fait acide, li gen paquet l'autre maladie. Est-ce que vous entendez? Mais moi, je vous dis ça clair. Je ne vous dis pas que nous avons demandé d'éviter l'homme pour le temps de la raison. Nous avons parlé avec le gouvernement, pour nous parler avec l'instance concernée. Pour nous dire l'instance concernée, qui ça a fait? Est-ce qu'il a quitté le bandit ça? Mettez-moi dans la gorge, nous, mettez-moi dans la gorge, nous, tout net, dans le pays, pour tuer nous. C'est qu'est-ce que ça vous pose? Si nous avons une question, c'est l'État qui ça l'État a fait avec la gang ça qu'il a créé. C'est ça. L'autre, les gens de nouvelles ça, nous connaissons le fils trop. Ta la m'so di, est-ce que pays d'Haïti jan li a la moun ka rentre vin faire retraite ou ka pa d'accord ou gen tout raison pou pa d'accord mais wap d'accord avèm jan de nouvèl sa yo nan moment m'a parle avec nous la gen moun ka koute nouvèl sa ka koute ti nèg an tout voye information an ki te ta préparé malette pou yo vini nan pays d'Haïti est-ce que vous comprenez malgré tout ça otande yo font reki lui nan moment m'a parle avola la oui yo di hein n'a pas les semaine k'ap vini la oui bagale bon font poser toujours yo a peine dit ça là ou va dire prophète en tout cas. L'autre détail, l'autre bagaille pour nous connaître mes chers amis, faut me dire nous barbecue chef gang Genève ça, mon cher a montré lui-même c'est Lictoro. Qui s'est passé monsieur bay peuple là? Yon pinga serein. Qui ça le dit? Chef Genève là, dit Michel Rizier et que époule boucanet, j'entériel telis remet relil. Monsieur mandé pour toute boutique, pour toute petit marchand dans zone côté Genève a dirigé yo pour pas mettre tête yo dehors. Et pour business yo pas ouvri. Vous entendez? Li mande tout business yo rete, on bande pour fermer porte yo. Et puis décision ça j'aime dit nous c'est dans bloc G9 qu'elle passe l'autre là pour demain. Ils ont prendre cap vini là.
parce que bagala pral mangomé suite avec ça chef gang barbecue fait qu'on est dans bloc côté Genève gen mise sous li yo. Est-ce que vous entendez? Et m'a dit ça là tout. Nous j'aime te dire déjà non émission précédente nous pas dire c'est prophète non son façon pour observer les choses. Il y a bagay qui a passé dans genou là nous jeune mais nous vivons en pile bagay qui passe devant genou. Et bien terminal varé. Bien gros négociation qu'a fait là. Semaine qu'a venir là t'a supposé tout bagay t'a supposé entrer dans l'autre nuit. Mais où était gros pile terre Genève te mette nan rentré a et puis rentré a prendre gaz la libé libé. Bah essayez m'a pas la voilà oui. A dit non jou k'a venir là mes chers amis. Gagné négociation qu'a fait pour nan jou sa yo là pour gaz là pour tout moun gen accès avec terminal là. On prend qui secteur privé moun nan on prend n'importe moun ouye a pour rentré a prendre gaz ou. C'est ça entrer à point sans que pas sous tendon on bail faire bruit qu'on cartouche pas rien que tout son chargeur d'eau éclaté dans route là on pied pile chargeur de l'eau. Est-ce que vous en tout cas mes pays spécial même dit ça déjà gon vidéo alors on vidéo en photo qui refait surface pour une énième fois sur réseaux sociaux côté chef gang barbecue d'Otouni drapeau les États-Unis d'Amérique sous lit. Ça veut dire qui ça? Est-ce que c'est son signal clair qu'il te voulait voyer ben les États-Unis d'Amérique? Bon, m'ba konnen, mais photo ça qui refait surface pour une énième fois sur réseaux sociaux, ou ap d'accord avec li pa innocent. On allez là, li pa innocent. Bon redon encore. Les mouche barbecue te vini avec idée révolutionnaire. Monsieur étant dans Delma 6 son chaise. Li dit ouais, me fait 14 ans dans la police. A fait pour zam qui nan même là pour ces policiers pareil mais pour ta dit baisser jol zam lan l'a mouri à genou avec zam lan nan mel mais il dit de pour c'est un américain qui t'apparaît pour ta dit babé déposer attendez il dit ouais pas me quitter le zé a fin sorti nan déposer a l'a tout mettre le plat à terre est-ce que vous comprenez et l'a bay deux points pour mettre minute parce qu'elle dit gien quelque causé les pas j'aime d'accord pour nèg vinn arrêter la police nationale d'Haïti vinn arrêter parce que pas bal chance pour parler même s'il parle pour lui pas le dire rien mais il dit depuis c'est américain mais n'a pas de casavli qui choy qu'elle pral dit devant responsable américain yo y a petit le société a parce qu'elle dit qu'on va qu'être voyou s'il t'a même s'il t'a dénoncé à travers micro la presse elle dit c'est pas le bandi pas ba ça en importance bah écoute parler à terre à mieux on pas gain information tout en tout cas monsieur dit gen des pour si là le dynamico là yo pa piti nan rien parce que yo gen tan bal tit gang li son gang yo pa sa pour ta fi a te sa pour le ganglé pour se pa camper son mais si c'est les États-Unis d'Amérique même et capable di enquêteur américain ou li di parole ça a bon efficacité bon kite causer ça bon dou finalement m pa konn côté pour m pa konn ki c'est pour reli parce que m gen l'impression tout sain n'a servi dans pays a c'est sain dende tout sain n'a servi dans pays a oui. J'ai l'impression c'est Saint-Dindin. C'est vrai, avec 5h du matin. Raison de faire me dire ça. Pour nous servir tout ce que nous avons là, pour nous faire pour Haïti. Est-ce qu'on connaît dans ce moment là, en haut Pétionville? Mon cher, bah la compliqué. Oui, l'on file dans Pétionville, on va tomber sous canapé vert. Qui te dit non? Géon l'autre gang là. Mais on même relève ici qui sale Matissan. Parce que, il semble avec, il presque semble à Matissan tête coupée. L'homme dit semble à dans saleté, non? Mais sans sembler. Non, exercice qui gagne dans Matissan là, coup de balle a pété, gon ti grand moun sou machine ni, il est là pour lui, il recevoir balle dans tête. Ah grave, non bien y a là mes chers amis. Même qu'on a regardé, mon a ba nous édition ça là, qu'on a fait journal ça avec. Moi presque crié, même obligé kembe. Tendez non, gagne un groupe gang là qui a fonctionné dans zone des brosses avec Jivena sous canapé vert. Dans Iguana Café pour arriver devant Union School. C'est la première fois moi arriver devant Union School. Mon cher, c'est ton fierté pour moi. Ndé wè zone nan, mon cher zone nan safe. Zon pran ti moun yo ou mes koule pou yo yo tout nan bolari ya bay. Mes koun ya pa gen ça non? Et si l'école ça pa pral, bon si il pa gen tan gen plan pour ou été Union School nan zone nan, c'est chance. Ou tande? De Bros, Juvena, sous canapé vert, de Iguana Café à Union School. Y aurait censé gen 8 groupes armés kap opéré nan zone ça. Mais dans tout groupe armé ça yo ça débois ça le terrible et c'est lui même tout qui toujours prêt pour affronter constamment police nationale d'Haïti et yon nan mission nek sa yo mode opératoire yo c'est pour bloquer route canapé vert pour rançonner population avec moun k'ap passer là-dedans en parlant des moun qui sous machine barre vous comprenez
piéton population qui donc nous gagne comprendre a dit au sens large a trop bagaille trop littérati tendez non et bien dans moment m'a parlé avec nous là ton son route Pétionville là il était vraiment impraticable malgré la police te fait tout ça qu'on est au niveau des Jivena pour l'ouest le cas libérer espace là il pas capable bon comme information m'a ba nous m'ka tout rijo parce que ça il rentre dans cadre d'information est-ce qu'on connaît nan moment bloqué la ri après les abariel après les fòk gaz descend après les laviche gen an pile voyou ki te kon santi et ki te kon sorti nan nuit yo toujoun on li accès pou yo opérer à avivwa grand matin ou te kon sa gen pile nèg wi ki pran prétexte barricade pou capable faire zafè ou des barricade là sou pa gen information ça ntou baoul parce que non pa m se ti nèg an tu prèt la voix information bon c'est toujours un plaisir oui pour me saluer fanatique moi yo qui toujours prend sans prendre temps yo pour yo coûter ti nèg en tout prête là pendant m'a font garder là m'a font triage parce qu'il pas facile m'a garder tout commentaire ça yo il pas facile pour me saluer tout monde ça yo attendez non m'a saluer Pablo Pierre Robert Jacques m'a saluer Marc Romain m'a saluer Dominique GDS qui dit bon travail ti nèg en tout prête m'a saluer MC et Joe m'a saluer Orana Coulon qui toujours avec moi Marie Alphonse, Betty, Pierre Louis, m'ap salye Owen Delhomme, Louis Cétil, Charles, m'ap salye Martin Sylvestre, m'ap salye Marie Ellison. Ça y est ancien moun Haïti média on batande quelque temps oui. Toujours maintenant nous nos commentaires pour nous salye nous tande. M'ap salye Verneus Washenal, Carlos Pierre. M'ap salye mes chers amis Deraville Béatrice. M'ap salye Carl Sandley La Force. M'ap salye Steven André. Deraville Béatrice. M'ap konti m'salye déjà. M'ap salye Tia Grand. Qui remet travail ti nèg an tout prèt la fè a. Franz Hiller. M'ap salye kèt zanmi yo an pil m'ap pran toi encore. Est-ce que vous comprenez? M'ap salye Pierre Claude. M'ap salye Onel Merizier. Et m'ap salye Telson Telfort. C'est trois zanmi sa yo. Alors, c'est trois derniers zanmi sa yo. M'oblige salye. Trois derniers amis sa yo. Est-ce que vous comprenez? En tout cas, toujours quitte non dans le commentaire de Dikotop sur moi pour m'bo bigop la. Parce que swap edem à travailler pas m'lan fom, moi m'en baga raciste pour m'ti bigop. Après, monsieur aussi un arrêté la hier pour yon déclarer payant pour yon mette sous tutelle étrange. Étrange. C'est donc, oui. Oui, on va continuer une phrase là. Eh bien, c'est ça, donc, c'est ça un peu, globalement, la situation et les inconséquences de ce monsieur. Donc, tu t'imagines que ils ont amené le pays à la faille. Ouais. Ils ont amené le pays à la faille. Mm-hmm. Cette urgence politique qu'on appelle, cette calée, plusieurs versions, Michel Martelly, Jovenel Moïse, et Jeunet Jodian, et HTK, associé avec le Conseil de Net, qui est socialiste dans le temps, de gauche dans le temps, qui formaient en sorte de cercle de domination du pouvoir politique, eh bien, ils ont échoué. Et aujourd'hui, ils ont signé pour livrer le pays aux forces étrangères et qui sont en sorte de violation de la Constitution qui dit que n'importe qui demande ou bien collaborer avec forces étrangères pour faire forces étrangères débarquer le pays, eh bien, ils commettent crime de trahison. Donc, tous ces messieurs qui ont signé cet arrêté, hommes et femmes, ils sont condamnables de crimes de haute trahison, n'importe quel moment dans l'histoire du pays. Oui, on garde ça, pardon, toucher point ça, DV. Dali Valet, qui est avec nous là, qui a parlé dans l'émission Tikozak Tete. Est-ce que, comment interpréter ça? Parce que nous avons quand même la police nationale qui est là. Nous avons une force armée qui l'a quand même si ou pas ba résultat mais ou là alors que face à impossibilité pour yo ta ramener l'ordre dans pays a incapacité même pour ramener l'ordre gouvernement obligé faire appel à l'international yon force étrangère est-ce que ça pas ta vle dit automatiquement force la ben gen la li tout éliminé li pas existe encore li écrasé. Mon cher, aussi bizarre que ça va paraître, c'est l'une de ces curiosités de l'histoire d'Haïti. L'armée ça qui Jovenel de faire, que j'ai toujours appelé l'armée rouge de Jovenel, c'est la seule force militaire qui était faite dans le pays avec Toto Makoutio, que c'est Haïti qui fait eux, que Blanc pas d'accord avec eux. Comprenez bien, hein?
automatique, monsieur, évidemment, monsieur américain, pas d'accord, les valises affaires automatiques. Je dirais que c'est l'armée qui a été créée après l'occupation, pendant l'occupation américaine, non? Et l'armée, ça peut continuer à gérer toute son sécurité. Et même si vous devenez une sorte de régulateur politique, un jeu politique en Haïti. Je vais dire que vous neutraliser par ça avec les forces intégrées, les volontaires de la sécurité nationale. Donc, et Jovenel Moïse, même, malgré toute résistance blanc, moi, j'avais rencontré un diplomate français et secrétaire à l'ambassade en Haïti, qui le question de l'armée s'est créée. Depuis ce matin, les problèmes étaient posés. Et puis, sous Jovenel, ils me posaient, ils étaient farouchement et foncièrement contre. Donc, où est que l'armée s'est alliée là, même des choses, c'est quoi? À qui ça l'utile là? Donc, tu ne peux pas avoir des hommes que tu paies. Et avec les maigres ressources de l'État que tu appelles l'armée, qui est une armée de majorettes, tu vois. Donc, c'est, ça ne sert à rien d'avoir quelque chose qui ne sert à rien. Donc, maintenant, et pourtant, l'Amérique n'est pas venue, monsieur international n'est pas venue, et c'est ça qui fait l'échoué. Les seules forces de sécurité qui ont toujours eu pignon sur rue en Haïti, à part les volontaires de la sécurité nationale de François Duvalier, qui est venu en fait personnel, c'est l'armée américaine qui est fonctionnaire. Et police, ça, qu'est-ce qu'ils font? Police, nous, là, c'est américain, celle, blanc, français avec blanc, canadien. Notamment américain avec français. Et résultat, c'est quoi? Résultat, police nationale a pris son instrument de l'international, c'est bien. Évidemment, et ils ont un simulacre, et haïtien désigné Mounio, et puis le Parlement ratifié, les deux parlements au niveau du Sénat, mais quand même, c'est une force contrôlée par les États-Unis en général. OK? Donc, donc, tu n'as pas vraiment de force spécifiquement haïtienne pour le moment. Tu as des forces de sécurité. Mais ce sont des forces spécifiquement haïtiennes pour répondre aux besoins du pays. Mais non, mais ce sont des forces spécifiquement haïtiennes. Il faut taper seulement 15 000, 13 000, 14 000 policiers. Il faut taper suffisamment de police qui répondent à besoin pays. Ou t'as pour force militaire, bah, qu'on est spécialisé, là, qui s'est spécialisé là, qui vous arrive pour plus de sécurité pays, c'est pas l'international qui devrait te dicter ton agenda dès qu'il s'agit de poser des questions d'intérêt national. Police avec l'armée, ce magasin qui relève de la sécurité nationale du pays. La sécurité nationale du pays, c'est ce qui définit un État. Alors, si tu n'y a éléments sérieux, tes attributs, tes domaines qui relèvent de la souveraineté, de l'État et d'une nation, c'est étranger, c'est évident que les résultats qu'on paye là, qu'on gagne là. Donc, ces forces de sécurité que tu en as ici pour le moment n'ont jamais été en adéquation par rapport aux besoins de sécurité que le peuple haïtien a gagné depuis quelques temps. Et puis, résultat, ils ont échoué. Depuis 1995, M. Sarap a essayé de mettre en force de police. Ah, mais près de 30 000, plus de 25 ans après, ou pourquoi j'aime mon force de police réelle? Jamais. Et puis, même force de police à l'Ukraine, je mets ton bagot sous Amazon. Il a un cas matériel adéquat pour le travail de sécurité. Donc, son pays, au Kendela, ton consort, ton façade, ton vitrine de pays, tu regardes, tu penses que c'est un pays, mais il y a longtemps que l'international, avec les fonds des nationaux, ont sacrifié Haïti. Pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui, une sorte d'état réunion, état de pacotille, un état paria, que le monde s'est arrivé avec eux, que ce soit en dedans, que ce soit à l'extérieur, Correct. Dali, on t'a supposé poser question ça avec un aigle Joseph Lambert, même pas souvent par la nègre politique, yo, mais là, on a analysé la situation, ça, moins à coup. On garde des ou même comme citoyen, comme journaliste avisé, expérimenté, analyste politique, comment, qui analyse ou lorsqu'on est un nègre qui n'a un pouvoir, de fait, je n'ai pas une légitimité, personne pas qu'on est, il n'est pas passé par devant le Parlement haïtien, Parlement est dysfonctionnel, seulement Timo sous traité, alors que il décide avec tout membre gouvernement qui est illégal, et il sorti un arrêté qui mandait international là, pour t'avoir une force étrangère dans le pays. Comment comprendre ça? N'oublie pas que cette demande de force internationale a été faite d'abord par
par le secrétaire général de l'ONU. Non, par le premier ministre Claude Joseph. Oh, Claude Joseph. Oh. Après la mort, après la mort, et président. Bon mémoire, oui. Et Jovenel, c'est le premier monde qui m'a dit ça. Pendant ce pouvoir, qui sont l'autre forme de crime de l'Océanie, encore, c'était Claude Joseph. C'était évident. Tu vois, il demandait nos forces étrangères, forces américaines notamment, pour devenir dans le pays. Ça, c'est sûr. Et deuxièmement, et un an après, et ils n'ont pas su poser avec Mbekati, avec intelligence, la question de sécurité dans le pays, puisque la question de sécurité n'est pas importante pour eux. C'était juste un pouvoir, c'est important. C'était l'accaparement de la fille en dessous, sur l'appareil d'État, c'est important. Maintenant, le problème continue de détériorer. Et aujourd'hui, pour voir les menacer avec une contestation et avec une population. Ici. Remarquons bagage. Monsieur, il n'y a pas mal de département des forces venant dans le pays. Les gangs qui ont signé la terreur, non? Je ne sais pas si vous avez ça. Oui. Les gangs qui ont signé la terreur, il n'y a pas mal de ça, non? C'est pour la population à contester le régime, ils ont demandé de la boutonner. Ça veut dire que les gangs n'étaient pas vraiment une menace pour ce pouvoir. Non, mais yo, okay, pas de les gangs n'ont fonctionné à qui? Et exemple clair là, où avant hier là, que nous avons 10 millions de gouttes de Bajeneur pour faciliter que le gaz doit se tenir vers eux. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas. Non, c'est l'information, c'est correct. Ça veut dire que c'est une pratique que l'on gagne. Je ne sais pas. Hein. Ok, pour moi-même, je n'ai pas les données en ce sens. Je ne vais pas répéter ton bagage, je ne vais pas les données. Non, mais c'est moins de bonne information. C'est juste pour nous dire que l'on gagne une pratique. Fait ça. Yeah. Non, mais attends, mais je peux te dire même, ce n'est pas 10 millions de gouttes en soi qui est important. C'est connexion pour nous, c'est réseau. Réseau. 10 millions de gouttes là sont écume. Ouais, 10 millions de gouttes là sont écume. C'est comme si Ndado, il y a une vague de fond. Vague de fond en parlant, mais moi-même, c'est la vague de fond qui m'intéresse. Quels sont les liens qui viennent connecter les sphères de pouvoir politique, pouvoir économique en Haïti avec les réseaux de gangs? Ouais. C'est ça qui est important. Ça, c'est parce que pouvoir avoir 10 millions de gouttes, parce qu'on connaît l'autre qui n'a plus les épailles, papaye pour là, pour là, pour là. Donc, tu vois, ces éléments de 10 millions, 20 millions, c'est même pas important. Ce qui est important, c'est que tu as une connexion qui fait entre eux. C'est rien qui existe. Mais c'est ça. Voilà. C'est un pays qui est livré à des groupes armés, que d'une part, pouvoir tolérer ou bien piloter, ou bien d'autres entités dans le secteur privé à piloter, jusqu'à ce groupe ça eux-mêmes, ils deviennent suffisamment des forces politiques pour revendiquer un certain droit à l'autonomie d'action, à l'autonomie de réflexion. À des positionnements stratégiques autonomes qui pas forcément des positionnements qui recoupent sa moune capture officielle dans le temps, c'est capable de serrer, c'est capable d'atteindre. Voilà le problème, tu vois. C'est interconnexion et qui est important de manière dans le temps, dans la longue durée même, je dirais. C'est ça que depuis qu'il y a un réseau sérieux établi, qui vient de faire gagner une puissance pour ça. Parce que, gagne pas le bon matin, c'est ça. Dans le bon moment des députés. C'est vrai. C'est qu'il y a eu un processus. Pour qui ils ont depuis le début du processus, non, l'État n'a pas intervenu pour le résoudre. Pas de volonté. Pour qui ils ont pendant maturité, par exemple, l'événement majeur qui était déterminant, et ça qui s'est passé les députés politiques pendant l'opération du 12 mars. Ouais, au mois de mars, le 12 mars de l'année dernière. Yeah, c'est vrai. Elle peut le voir. Ouais. Donc, eh bien, si l'événement, ça a été supposé, m'a défoncé très bien. Si c'était vrai, c'est des questions et ils étaient dépassés par les gangs. Puisque la police était dépassée par les gangs. Et puis après encore, les gangs ont continué à semer la terreur, que ce soit au niveau du pas des bouteilles, que ce soit au niveau de la route de Martissant, mais pour voir à demander force étrangère. C'est jour et aujourd'hui, hein, combien de peuple la revendiquer des droits, la revendiquer la prédité, la revendication sociale. Et que pouvoir dire, comme des forces étrangères. Ouais. Donc la menace, c'est le réveil des masses populaires de Jérémy, de Jacmel, de Carrefour, de Delma, de Pétionville, de Jalousie, de Philippot,
tu vois, de Gonaïve, de Port-de-Paix, du Cap-Haïtien, tout le pays. Des cailles. C'est ce réveil populaire qui inquiète. Le réveil populaire, ça inquiète l'établissement politique en Haïti, inquiète l'établissement économique en Haïti. Parce que le pouvoir politique est menacé, et évidemment parce que l'assise économique de domination est menacée. Et puis dès qu'on a deux pouvoirs, ça a été menacé. Et tous les deux, c'est des instruments de l'international dans le système de domination qui existe sur Haïtien, les Blancs du Afrique de l'Union. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais tant que c'est le peuple qui était victime systématiquement de l'intérêt, il n'y a personne qui t'a dit rien, non? C'est vrai. Moi, ou tellement correct. Que... Oui, devait m'dab dit qu'on vraiment mais c'est question de analyse de bagaille. Oui, c'est vrai. Parce que l'idée ou véhiculé, on t'a regardé un tweet de diplomate ça, Daniel Foot, bien que mon gain réserve soit pile bas, monsieur dit parce que certaines fois monsieur gain réaction le plus paraît militant que diplomate. Cependant, monsieur font tweet pendant journée, monsieur dit que si toutefois yo t'a décidé voyer troupes en Haïti, li pa seulement vini ak l'idée pour combattre gang, mais il pral vini ak l'idée pour combattre tout monde qui en face pouvoir yo, les manifestants en particulier. Donc l'idée c'est vrai parce que dat peuple a mouri, personne pas jamais dit rien, kounèg yo estimé pouvoir menacé, panique dans la rue, manifestation nan nuit kou la journée, finalement yo fait appel avec blanc, force étrangère pour capable venir. Non, mais pas seulement pouvoir politique là. Pour la classe dominante économique là, parce que intérêt est menacé. En pile. Intérêt est menacé. Donc autrement dit, si intérêt est menacé et que pouvoir politique là même la partie est menacé, la même intégrité physique, parce que j'ai l'impression si la population est au jeune monsieur Zayo, la plongée ensemble avec. Parce que tu vois. Donc quelque part, ont peur qui existait, ils ont panique qui existait du côté du pouvoir économique et du côté du pouvoir politique et du côté des autres secteurs dominants de la société haïtienne. Donc, ça veut dire que tu as toutes les conditions, les facteurs conjoncturels, les facteurs politiques, les facteurs sociaux et politiques réunis pour être capable de servir de fondation pour une intervention militaire, parce que c'est ça étranger à besoin même justement. C'est pas quand le peuple est menacé, c'est pas quand le peuple est livré à lui-même dans sa misère, dans cette turpitude que nous fait demander. C'est justement quand les intérêts de pouvoir et les intérêts économiques sont menacés que nous fait demander. Qui vient faire que ce soit les forces économiques, les forces locales, que ce soit les forces internationales, yo, au service du pouvoir dominant. Yo. Que ce soit en international, que ce soit au niveau local. C'est ça la réalité. Ce plan a toujours été isolé. Donc, l'irruption des masses, je ne veux dire, qui était debout. Et d'ailleurs, en fait, même si le pouvoir était manipulé, nous, la maison blanche du conservateur, c'est des oligarques qui a financé les gens, nous, dans la rue, le pouvoir même du que c'est le monde qui voulait qu'il en compte le bon, a fait gaz, qui a besoin pour gaz, qui a financé. Oui, mais maintenant, comme on fait jouer tout le peuple qui a manipulé, ça veut dire que tout le monde qui est dans la rue de Dundilio, tout le monde qui est dans la rue de Capio, tout le monde qui est dans la rue de Port-au-Prince, c'est le monde qui est dans le compte de banque qui a financé. Mais comment fait le monde qui est dans le compte de banque qui a financé? Mais comment fait la revendication ça, que M. Compte de banque a financé? Mais comment fait la revendication ça? Il a retrouvé la revendication du peuple. Mais c'est parce que le peuple a des problèmes. Pour qu'il mette le peuple dans la rue, c'est une, mais c'est l'autre rien, son autre bagage. Ok, maintenant, quand à la fois, il faut s'attendre pour voir quelle est la nature de la force qui a béni en Indonésie. Parce qu'il y a deux forces possibles. Il y a deux forces possibles. Ou bien il y a trois forces possibles. Il y a trois forces possibles. Généralement, c'est comme ça que ça fait. Donc, ou bien ça fait de manière unilatérale. Unilatérale, la vie dit que les États-Unis. En 1994, qui décidait de débarquer militairement pour venir déloger les militaires et pour Tshisekedi pour venir remettre le président de la République au pouvoir. Ok? Donc, ça c'est unilatéral. Les États-Unis prennent des décisions lui-même. Il n'y a pas besoin de dire qu'on menace à la sécurité nationale des États-Unis pour évoquer les questions et réfugiés, pas qu'elle soit. Ouais. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à la suite? À la suite, tu allais avoir la force multinationale. Donc, tu as la force nationale américaine,
ensuite une force multinationale, cette force multinationale qui allait se convertir maintenant en mission de maintien de la paix qui est l'eau, MINUA, en 1995. Donc, autrement dit, avant que pour une force maintien de la paix MINUA, il y a eu des forces boussales qui viennent pour venir faire la guerre. Donc, ces forces américaines ont humilié soldats noirs. Mettez-nous coucher. Vin fait la guerre et dit. Mais justement, parce que c'est dans la guerre que vous venez même. Ouais. C'est dans la guerre. Comme si nos militaires n'ont pas tout cas goumé, qui bloque, et puis ils pas sous goumé vraiment. Ils pas sous goumé vraiment. Et puis qu'on est américain, dit, mais ok, nous pas besoin de rester là comme force militaire américaine, en passant au relais à les Nations Unies. Est-ce que tu comprends? Ouais, c'est vrai. Nous passons au relais à les Nations Unies, laissant la paix. Puisque pas de résistance au corps militaire encore, on y a c'est le moment pour déployer force de maintien de la paix. Parce que tu ne déploies pas des forces de maintien de la paix dans un environnement d'hostilité. Hostilité totale. Tu déploies des forces de maintien de la paix lorsque parti au genou argument pour cesser le feu. Pour cesser le feu. Pour cesser le feu en Konya, force de maintien de la paix à lui-même, il a comme garant de ce feu. C'était le feu que les partis ont eu un conflit entre eux. Maintenant, si on n'y a pas de feu, il n'y a pas qu'à jeter sur le feu, il n'y a pas qu'à imposer la paix entre eux-mêmes, le Sahara ou un force ou bien unilatéral national d'un pays qui décide d'intervenir lui-même sous mandat de l'ONU ou bien sous mandat de propre PEPAL ou bien un force de multinationale. Donc, ça s'est fait en 2004, le président Aristide est victime du deuxième coup d'État. Vous songez? Oui, c'est vrai. Mais une force multinationale à l'époque, ensuite, après force multinationale, là, nous venons gagner, l'INUICTA. Donc, force multinationale a été là pour le gourmet à toutes les qui est souterrain. Le tout monsieur Rebellio, en tout cas, il a boumé ensemble avec nous parce que c'est la guerre. Force Aélo, c'est des forces d'imposition de la paix. Ça veut dire que ils viennent mettre la paix. Ils ne peuvent pas dire qu'ils sont pas d'accord. Ok? Donc, ils ont imposé la paix. Ils ont mouru, ils ont tombé. Et puis, après, ils ont imposé la paix. Comme ils ne sont pas capables de la guerre tout le temps, nous passons au mode de maintien de la paix à travers encore les Nations Unies. Donc, c'est ça. Maintenant, on va voir de quelle nature, parce que Fabien, non, monsieur et Justin Trudeau, t'es parlé d'une force robuste pour Haïti. Ouais. Qui dit force robuste, ou bien loi sur force multinationale, d'imposition de la paix sous mandat onusien. Correct. Imposition de la paix, ça veut dire que nous venons là pour venir tuer les vagabonds. Quelque part, bon, l'homme du vagabond, en tout cas, il y a une loi qui dit que c'est un vagabond. Il y a une loi qui dit que c'est un vagabond. Donc, maintenant, en fonction du perspective, donc, quelque part, ça, monsieur Andy, monsieur Jout, comment il est, comment monsieur Zahir, comment vous aussi de nos Américains? Non, Daniel Foot. Mais quelque part, il y a une loi unie. Et puis, son force multinationale, préposition de la paix, c'est dans la guerre aussi. Donc, tout le monde a sous âme de pouvoir marcher selon l'agenda. Parce qu'à ce moment, ce n'est pas toi qui vas dicter au plan tes priorités militaires. C'est le plan lui-même qui a bien intelligence sur le terrain, qui a bien analysé, qui a bien donné vie, qui a posé des actions pour imposer la paix. Les gens comprennent faire. Et puis, après ça, qu'on y a, nous transformer la mission de maintien de la paix, mais aussi d'imposer une neutralité. Oui, c'est vrai. Okay? Par expérience, ça nous garde tout, ça nous lit. Moun sa ou pas jamais vont côté pour mettre la paix. Vrai, j'en pense, à Jean pile moun kouel là. Cependant, gen crainte d'Ali, ça fait quelques temps. Si ou ap suiv discours président dominicain à Luis Abinader, monsieur Sonneg, tout li même dans discours, il était toujours souhaité qu'on intervention qui fait en Haïti par rapport à la menace li dit que Haïti représente pour pays. Mais il y a moun qui toujours met dans tête yo, gen possibilité pour que l'armée dominicaine ta on le parète. Yo saute fait l'avant et la wadamet, incroyable. Mais ta tout profité moment ça, si que Nations Unies ta fait appel, yo ta là et yo ka saisi wen gen pile soldat dominicain sous territoire là. Ou pas écarté possibilité ça?
Non, en tout cas, il y a une logique qui est simple. Mm-hmm. Et Haïti sont menaces aux sécurités nationales de la République dominicaine. Ouais. En réalité, premièrement, on partage nos frontières ensemble avec lui. Et deuxièmement, on gonfle de migratoires intenses et énormes qui diversent la Cali de manière illégale. Donc, son menace à ses frontières, son menace à la fois de sécurité intérieure et de sécurité extérieure. Donc, c'est logique. Donc, c'est pas maintenant. Si les États-Unis, ou tout le monde, les forces de l'OEA, des Nations Unies, ne vont pas mettre cette nuance ensemble, nous jouons une formule pour un petit peu stabiliser le dossier haïtien au plan sécuritaire, eh bien, Dominique, si vous voulez, vous allez intervenir. Vous allez intervenir parce que vous constituez une menace pour vous. Donc, c'est une incursion. D'ailleurs, vous faites une incursion toujours, incursion qui doit transformer n'importe qui en intervention. Intervention militaire ouverte. Donc, elle dit que il faut nous pas étonner de ces déclarations. Il faut que nous rationalisions, mettons la perspective libre. Nous sommes menacés pour nous, vraiment. C'est même que nous-mêmes, là, nous sommes les phénomènes qui menacent pour nous. Nous sommes intervenus, nous sommes occupés. Nous sommes nous dit ou même que nous sommes menacés pour nous. Nous avons intervenu en Haïti, nous sommes occupés. Nous. C'est même réalité. Yo. Tout simplement, ce serait l'histoire à l'envers. Au lieu de nous-mêmes qui menacent pour nous, et puis nous traversons. Dans l'occuper, mais nous-mêmes nous sommes dans le pays, avec la seule différence, mais contentieux historique tellement énorme, la République dominicaine n'a jamais pris son responsabilité pour faire intervention au fin d'occupation en Haïti. Et deuxièmement, la République dominicaine n'a pas de moyens pour faire occupation en Haïti. Quand une occupation veut dire que c'est prendre en charge le pays, et deuxièmement, quantité militaire de République dominicaine n'est hein, pas capable d'occuper Haïti, notamment si c'est une guérilla. C'est une guérilla qui développe. Mm-hmm. Parce que lorsque tu as une guérilla qui se développe, c'est que Fonfon est arrivé la théorie des masses, et des masses en stratégie militaire. Donc si n'est la guerre, un soldat, il faut qu'à déployer plus ou même. Il faut qu'à déployer plus, soit perdu quand même. Puisque on ne peut pas contrôler toute population. Donc la République dominicaine, avec l'armée, même qu'on ait de 60 000 ou de 100 000 hommes, il n'y a pas qu'à contrôler, et il va qu'à occuper le pays d'Haïti, même si tu as des intentions. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent.